Salut les gars. Eh bien, si votre détaillant est un piker ou s'il pense simplement à vous, il a pensé à commander pour l'ouverture le revival d'un de notre best-seller, à savoir l'hybride pike. J'ai ici dans mes mains deux coloris. Ici, ce coloris un petit peu rougeâtre, idéal pour les eaux acides ou tourbeuses, évidemment. Et puis, ce coloris naturel, très passe-partout. Il revient en 17 cm pour un peu moins de 50 grammes, 47 exactement. Et je vais vous en parler ici avec ce coloris Fire Tiger superbe. Superbe d'ailleurs parce que pour l'occasion, à l'occasion de ce reborn, eh bien on a utilisé la technologie Photoprint. Donc c'est ce qui explique ce rendu extraordinaire, quasiment homemade, GarageCraft qu'on peut reconnaître. Il est toujours en deux parties, une partie dure, une partie souple. Il y a une queue de rechange dans le packaging. Ce qui change, c'est qu'on a un petit peu amélioré le système. Vous savez, le fait qu'il n'y ait qu'un seul triple, parfois il y a des décrochages, pas du fait qu'il n'y ait qu'un seul triple, mais du fait qu'il est quand même assez solidaire avec le corps du leurre. Donc ici, à la touche, ça nous donne un petit système qui permet, un peu comme le Line Through System, d'éloigner le triple du leurre pour qu'il y ait moins de décrochage. Il y a aussi à l'intérieur un rattle, on l'entend ici, avec une sonorité assez grave, assez lourde. Il y a une bille épaisse dedans qui a plusieurs fonctions, un petit peu aussi un système de transfert, mais pas pour le lancer, c'est pas un transfert de masse pour le lancer, c'est un système de transfert dans l'eau pour l'équilibrer. Mais surtout, ce rattle intégré, bah, vous le déclenchez quand vous voulez, car vous savez que l'hybride pike est un leurre de steady retrieve. On lance, on ramène de manière linéaire. Mais là, pour le coup, si vous le twitchez un petit coup, il va déclencher son rattle. Alors, il lance un leurre, normalement, qu'on ne présente plus, tellement il est efficace. Je voudrais simplement dire deux, trois petites choses à son sujet. Personnellement, c'est un leurre que j'utilise beaucoup dans les mauvaises heures de la journée. Vous savez, entre 13h et 15h, pétole, pas de vent, grosse luminosité, les poissons sont extrêmement apathiques. D'une manière générale, quand les conditions sont difficiles, on le ramène tout doucement, comme ça, si possible au-dessus des herbiers ou au-dessus d'une cassure. Et c'est souvent un des seuls leurres qui déclenche des poissons. Mais il y en a d'autres qui l'utilisent dans toutes circonstances, tout simplement parce que c'est leur fétiche. Et par exemple, Donovan Moreau n'hésite pas à accrocher des balls à des endroits ici pour le lester et pouvoir pêcher plus profond. Car évidemment, de base, c'est un leurre qui est fait pour pêcher sous allez, 1 mètre maximum. D'ailleurs, autre astuce, vous voyez que la faucille de la queue grub se présente comme ça. Quand il est comme ceci, en fait, il va avoir tendance un tout petit peu à piquer du nez et donc à descendre justement vers 1 mètre de profondeur. Mais si par exemple j'utilise le tire-bouchon qui est à l'intérieur pour retourner, hop là, mon leurre, ma faucille se présente maintenant dans l'autre sens et le leurre va avoir tendance à remonter près de la surface jusqu'à ce même que le nez pique la pellicule. Et là, vous avez à ce moment-là un wake bait. Il fait une petite vague en surface. Vous savez, ce V très reconnaissable. Et là, il nage juste sous la surface. Il est là encore redoutable. Maintenant, après, je ne vais pas vous faire un cours sur l'hybride pike. Tout le monde le connaît. C'est vraiment un must-have. Et tous les bons pikers en ont dans leur boîte de pêche.